fâchée de rentrer là. Je passais une journée assez crevante. Et voilà, je retrouve mon petit chez moi. Là, c'est pas désagréable. Ça fait du bien. Je vais voir si j'ai des messages. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais qu'est-ce que vous m'emmenez chez moi? Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais il en est hors de question, monsieur. Vous faites demi-tour, vous. Mais c'est simplement, c'est de la dépassion. Non, mais je m'en fiche que vous vouliez. Voilà, on est chez moi ici. C'est pas chez vous ici. Ah, si, c'est chez moi. Si, c'est d'affaires. Oui, c'est chez moi en fait. Si vous voulez, regardez, je vous montre tout de suite mon titre de propriété. Regardez. Voilà. Je travaille de chez moi. En fait, je suis à la fois le syndicat et le patronat. Je suis tous les jours dans la rue. J'arrose un peu chez les voisins, hein. Je suis pas regardante. Ah, la couleur du mur, non, c'est pas moi qui ai choisi. Écoutez, pour l'instant, je suis un peu short niveau argent, mais dès que j'ai un peu de sous, je refais faire tout ça. Et flambant neuf, ça va être sympa. Ça, faut vraiment que ça cesse, moi. Faut que je trouve quelque chose. J'arrive pas, je me bats avec ça tous les jours. Voilà, des gens qui rentrent comme ça. Alors, évidemment, c'est des enfants, ils savent pas vraiment, ils sont pas. Par contre, niveau intimité, c'est pas toujours top parce qu'il y a un vis-à-vis énorme. Donc, ça, il faudrait que je trouve quelque chose. Non, mais écoutez, il est en hors de question. Donc, quand on rentre chez les gens, on toque avant, on apporte quelque chose. Vous sortez maintenant, madame, s'il vous plaît. Sortez, merci. Non, mais c'est complètement dingue. Les gens sont d'une impolitesse de nos jours. J'y crois pas. Oui? Oui, entrez! Ah, bah voilà. Très bien, merci. On va aller filer maintenant. Je vais mettre mon petit jardin d'hiver. C'est toujours ça de prix. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la voisine ici. Alors c'est aussi gênant parce que celle de derrière est aussi un petit peu intrusive. Je vois qu'elle arrête pas de regarder chez moi, donc c'est assez pénible. Et là, par exemple, là j'aimerais bien me mettre en tenue confort pour être à la maison. Donc voilà. Toujours les rideaux ouverts, elle peut pas s'empêcher. Elle est un peu exhibitionniste, hein, je trouve. J'achète des bouffes. Je vais prendre ma douche. Ça, en fait, c'est les toilettes à la turque, et en fait, c'est beaucoup plus hygiénique parce que c'est vrai que le fait de s'asseoir sur une cuvette, tout ça, c'est jamais. Enfin, merci, au revoir. Bah, écoutez, là, c'est la tuile. Là, c'est mon proprio en fait qui a besoin de la rue là pour son fils qui vient faire ses études à Paris. Donc, il faut que je change de rue. Bon, faire ça souvent. Non, c'est. Je vous avouerai que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est assez pénible. Alors, qu'est-ce que. Et ben voilà. Merci beaucoup. Ben, au revoir, bonne continuation alors. Merci.